Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 février 2022, 8h40, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va laisser tout de côté pour retourner dans le monde fascinant des objets volants non identifiés ou des euh, différentes appellations qu'on a aujourd'hui en phénomène aérien non expliqué ou même euh, aussi ce qu'on utilise euh, comme terme, c'est ces fameux euh, objets volants euh, sans pilote. Hein, aussi, on peut les caractériser ou on les appelle comme ça. Plusieurs événements nous ont été ou ont été portés à notre attention, ceux qui s'intéressent, hein, comme vous et moi, au phénomène ovni depuis longtemps, avec des des événements spectaculaires. On les a vus dans les dernières années. On a même vu le Congrès américain et plein d'autres institutions mondiales de gouvernement de différents pays s'intéresser à ces phénomènes-là parce qu'il y a eu des Contact, il y a eu des, des observations faites par leurs euh, pilotes, leurs euh, marins. Donc, on ne parle pas d'hurlu-berlu maintenant, on parle de gens très sérieux. Donc, il y a un site ou un, un groupe qui s'intéresse à ça, euh, et c'est The Drive qui font toujours une recherche très, très exhaustive. Et qui demandent toujours plein euh, de documents avec euh, l'accès à l'information hein, qu'ils ont aux États-Unis, assez, euh, quand même, euh, assez fort. Tu peux avoir beaucoup, beaucoup de documentation quand tu les demandes. Des fois, ça peut prendre du temps, mais euh, The Drive euh, se spécialise dans ces euh, observations-là, dans ces événements-là, et essaye de comprendre ce qui se passe pour nous. Donc, ils font un travail euh, assez sérieux. Et là, ils se sont penchés sur les fameux incidents qu'il y a eu euh, en 2019, entre autres, avec des, euh, des bateaux de guerre américains, hein, dont le fameux USS Paul Hamilton et le O-Mama, o, -Mama, o, -O aussi, où plusieurs systèmes aériens sans pilote, c'est comme ça qu'on les appelle, les UAS, euh, avaient été vus. Parce qu'on était en plein exercice euh, en haute mer et il y a ces observations-là. Qui, sont, euh, qui ont été faites par les, les, euh, les marins, la marine, de ces systèmes euh, hein, qu'on appelle aériens sans pilote. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des drones Est-ce que c'est des avions Est-ce que est, ça vient d'ailleurs On ne sait pas. Et naturellement, en sur des œufs, le Congrès américain a demandé en 2019 que tous les services de renseignement se joignent ensemble. Et donne un rapport au Congrès sur plus de 400, je pense, ou, en tout cas, observations, des centaines. Et on est arrivé avec un rapport qu'on a remis au Congrès l'an dernier, vous le savez, ou en 2020 plutôt, ou plutôt, non, 2021. Et on était incapable, pour la plupart de ces, ces observations-là, faites par des pilotes ou des marins, d'expliquer ce que c'était. Donc on reste encore dans euh, le doute, l'obscurité. On ne sait pas ce qui se passe. Donc eux autres, ils ont. Faites une dernière euh, mise à jour sur ces incidents dessins de drones, qualifions-les comme ça en 2019, The Warzone a publié une euh, diapositive d'information intrigante, mais fortement expurgée, hein? le, c'est-à-dire euh, le, les autorités. Étrangement, avant que notre appel ne puisse être entièrement traité, ben, on a reçu des versions complètement non expurgées de la même diapositive, jointes à des demandes distinctes, nous dit de, de zone. Et la version non expurgée de la diapositive fournit plusieurs nouveaux détails, à savoir une chronologie des interactions entre le destroyer euh, de classe euh, Harley Burke de la US Navy, le fameux USS Paul Hamilton, et plusieurs objets désignés par le terme UAS au système aérien sans pilote. À notre connaissance, il s'agit du premier document accessible au public à utiliser le terme S1 en relation avec l'incident. Donc, on on admet qu'il y en avait plusieurs, il y en avait pas juste un. De plus, le matériel nouvellement publié comprend une image infrarouge de trois objets ou de trois des objets. La qualité est trop faible pour montrer les caractéristiques d'identification des objets. Donc, The War Zone nous dit que et ils sont c'est tellement vraiment bien documenté, il fait un travail très très euh, en, en profondeur. Je vous laisserai le, tout ce, ce, ce lien là dans la boîte de description. On voit qu'on n'apprend pas grand-chose avec cet incident-là, même s'ils ont accès à plusieurs euh, documents. Ça, on reste dans, le, on reste dans le, le très vague. Ça nous montre ces nouvelles données euh, qui continuent à brosser, un, à brosser un tableau très préoccupant, l'incident décrit dans la diapositive d'information était l'un parmi plusieurs autres qui se sont produits au cours de la deuxième moitié de juillet de 2019. Notre couverture précédente a montré que l'enquête de la marine sur cette affaire ne semblait pas avoir beaucoup de succès et posait des questions similaires sans réponse hein? quant à l'intention de ces gens qui sont derrière ces, ces drones ou ces objets euh, volants sans pilote. Interrogé sur ces incidents lors d'un point de presse en avril 2021, le chef des opérations navales, l'amiral Michael Gidday, a déclaré que la marine n'avait toujours pas déterminé ce qu'étaient ces avions ni à qui ils appartenaient. C'est fa fascinant quand même. Le ministère de la Défense et de la Marine a refusé, refusé de répondre aux questions ultérieures à ce sujet. En tant que tel, il reste incertain quant à l'étendue exacte des failles de sécurité ou de l'incapacité de la technologie anti euh, U, euh, U, euh, UAS, mise en service plus tard dans le mois. En plus d'être très préoccupant, pris cumulativement, les documents sont aussi déroutants. On ne sait toujours pas pourquoi la marine a publié une version fortement expurgée du document chronologique pour la publier à nouveau sans aucune expurgation. De plus, il est étrange qu'un événement décrit comme un essaim de ces, euh, euh, de ces objets volants sans pilote se traduisent par une chronologie détaillée, une diapositive de présentation, mais aucune référence évidente aux événements dans les journaux de pont sous-jacents de ces euh, navires. En ce qui concerne les journaux de pont, plus généralement, les registres d'autres navires, tels que le USS Omaha, sont incomplets, apparemment parce qu'ils n'ont jamais été créés en premier lieu. Donc, c'est un peu étonnant. Pour un événement aussi majeur qui aboutit à une enquête et à un briefing du chef des opérations navales, le fait que les journaux de pont n'aient même pas été ou n'aient jamais été conservés ou récupérés sur les navires impliqués est déroutant. Alors que la dernière version fournit une image supposée des objets, elle est si peu claire qu'elle n'ajoute pratiquement rien à notre compréhension de ces événements. On ne sait toujours pas dans quelle mesure la marine elle-même comprend ces incidents malgré la gravité d'être envahi à plusieurs reprises par des avions inconnus à proximité des eaux territoriales, compte tenu de la vaste gamme de capteurs déployés à bord d'une flotte de leurs navires de guerre les plus avancés qui ont été impliqués dans ces événements. Il y a probablement une énorme quantité de données qu'ils ne diffusent pas au public et ne commentent même pas de manière anecdotique. Nous continuerons à enquêter et à tenir les électeurs informés parce que nous apprenons ce, ce que nous apprenons sur ces événements étranges et sur la réponse de la marine à ceux-ci sont aussi euh, déroutants. Donc vraiment, on ne sait pas. <laughs> Puis on n'est pas capable de comprendre ce qui s'est passé avec euh, ces événements-là, quand même majeurs, Tu sais, quand tu penses à ça. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est des ennemis, peut-être? Est-ce que c'est autre chose? On ne le sait pas. Quels sont ces fameux UAS hein, maintenant? Système aérien sans pilote. Donc... Merci à The Drive qui fait un travail extraordinaire là-dessus, mais qui nous laisse encore là avec malgré leurs recherches sans réponse. Donc on n'a pas fini à en parler. On a vu des images hein, d'un de, cinéaste entre autres qui a montré ces objets aussi de navires de guerre qui ont été filmés euh, avec le, le, de la technologie assez avancée de caméra. Tu vois, de, en tout cas vous les avez vus. C'est fascinant, c'est fascinant pour ceux qui s'intéressent à ces phénomènes-là, comme vous et moi. Puis on n'a pas fini d'en parler. Puis il y a de plus en plus hein, de ces documents qui apparaissent. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être des surprises. Je vous reviens.